Bonsoir à tous. Donc, prénom, Florian, ville et pays actuels, le plat pays, les Pays-Bas, et particulièrement et spécifiquement basé à Amsterdam, où je vis en famille et d'ailleurs en couple avec madame qui vient aussi de l'UTBM. On est un couple d'UT bohémien et nos trois enfants. Métier, je travaille dans la cybersécurité. Année de diplôme ou promo, je suis de la promo 02. Donc, tu peux nous dire rapidement les mesures de confinement de ton pays, durée, autorisation, fermeture? Donc, il faut savoir que par rapport à la France, les Pays-Bas, en fait, on a à peu près 2 semaines d'écart par rapport à la situation vécue en termes de crise sanitaire et en termes de décalage. Je crois qu'on est un petit peu, on vit un peu toutes les étapes comme vous, mais un peu en retard. Donc, l'histoire du déni que vous avez certainement vécu au tout début, nous, on y est un petit peu encore. En plus, avec cette culture anglo-saxonne qui fait qu'à un moment donné, on s'est dit, c'est bon, on peut faire de l'immunité de groupe. Donc, qui fait qu'aujourd'hui, on est confiné, mais pas trop. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut encore sortir. On n'a pas forcément besoin d'autorisation quelconque, etc. Il y a un côté aussi qui est plutôt intéressant, je trouve, dans les pays bataves comme les nôtres, c'est que les gens sont très disciplinés. Et quand on leur dit vous restez à la maison, ils restent à la maison. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner dans les semaines et les mois à venir. En tout cas, c'est un petit peu différent de la France. Voilà. Comment sont tes journées en confinement, programme, télétravail, loisirs récréatifs? Donc les deux, on est en télétravail. Mais comme je vous disais tout à l'heure, on a trois enfants. Et donc les trois enfants sont aussi en télétravail parce que les écoles se sont arrêtées en même temps qu'en France, donc il y a 2 semaines. Donc ils sont les trois à la maison, 7, 9 ans et bientôt 2 ans. Et je peux vous dire que ça ne s'arrête jamais à la maison. Mon astuce pour garder la banane, on ne s'ennuie jamais. On a des enfants et le reste, on ne s'en soucie. Puis c'est terminé. Voilà, bonne journée.